toutes et à tous et bienvenue avec nos petits gnomes qu'on avait un peu laissé de côté quelques temps, donc il est temps du coup de se dire encore une fois temps, parce que c'est bien de se dire temps de temps en temps. Et donc on va continuer un petit peu. Donc, déjà on va les rallumer. Alors là il y avait un sawmill et un stonecutter qui devraient permettre de faire des trucs. Alors après c'est quoi qu'on va pouvoir faire? Ça fait quelques temps, vu que j'ai eu quelques petits bugs d'ordinateur, ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas franchement joué autre chose, et encore moins à ce jeu-ci. Donc pour construire un lit, il me faudrait quoi? Je peux pas le construire parce qu'il va me falloir un atelier particulier pour le construire. Déjà, si on faisait bien une salle qui va continuer jusque le bord de la colline ici. Voilà, comme ça on va faire un petit piercing ici. Minuit, nous sommes le troisième jour. Et ensuite, on peut faire un workshop, un sommet. Oulala, il y en a plein! Un wood carver, ça doit bien être un stone mason, un loom, un butcher, kitchen. Là, il faut une table. Le problème de la table, c'est qu'il faut la faire, la table. Stonecutter, sawmill. Sawmill, ça fait quoi? Ça fait des planches. Juste des planches. Lui, il fait des blocs. Et donc, pour faire ma table, il fallait quoi? Ah, super, il faut une table pour faire ma table, mais... Ça m'arrangerait un petit peu si tu me disais qu'est-ce qu'il me fallait comme atelier ou mécanisme. Un wood carver, stone cutter, stone carver. Oui, ça je peux le faire, le stone cutter, mais ça ne sert un peu à rien. Alors, mon kingdom, j'ai 9 personnes, j'ai 2 workshops, 3 fermes. Il vaut pas grand chose. Idle, donc ça veut dire que je dois pouvoir lui faire. Fabriquer quelques planches. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Fabrique-moi 10 planches, toi. Toi, fabrique-moi 10 cailloux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, je pourrais faire le prochain truc. Je ne sais pas lequel, mais... Je commence à avoir des gens qui ont des petites professions, peut-être. On va accélérer un petit peu pour passer la nuit, puisqu'ils sont tous en train de... presque tous en train de dormir. Mais à 1h du mat, il y en a quand même qui décident que c'est l'heure d'agrandir une pièce. Ces gens sont bizarres et étranges. Mais c'est pas grave, puisque ça a l'air d'être tout à fait normal pour eux de se mettre à bosser à 1h du mat. Et de... Ils rangent la terre, enfin ils la posent à côté surtout. Hop, et donc du coup, moi je dois pouvoir commencer à faire un wood carver. Parce que j'ai des. Ouais, non, il faut que j'ai quelqu'un qui se mette ici à me fabriquer des blocs. Et en même temps, je crois que je n'ai pas de stone. C'est ça, j'ai pas du tout de raw stone. Donc il va falloir en récolter un petit peu ici. On va faire un petit trou là. En espérant ne pas tomber sur une caverne et sur des mobs ou des trucs comme ça. De toute manière, on verra bien. On a quelqu'un qui va arriver ici et qui va nous faire une raw stone. Enfin, qui vont peut-être nous faire des raw stone. Ah, là, quelques-unes ici. Un raw marble. Oui, parce que moi, forcément, quand je veux faire du caillou, je tombe sur du marbre. Ce qui est tout à fait normal et simple et logique. Ah non, ici j'ai autre chose. Et ça m'a du copper. Ouais, du cuivre, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est bien le cuivre. Et là c'est le moment où je me dis que j'aurais peut-être pas dû me mettre dans la campagne au milieu du truc. Hop, vas-y, plante-moi des pines ici. Et toi aussi, pine.
Avec un peu de chance, ils vont prendre les petits clippings qu'ils ont mis ici et les planter. Oui! Yeah! 8-1, d'accord, ça va pas aller super bien. Ils sont en train de planter tout ça. De me faire peut-être... de faire mes cailloux. Mes blocs. Donc du coup, maintenant que j'ai mes blocs, je peux faire... Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ça doit être lui que je peux faire maintenant. Et avec les blocs, je dois pouvoir faire... un stone mason, un stone carver. Bon, on va faire un loom derrière. On va bien voir ce que ça va donner s'ils vont réussir à me les fabriquer ou pas. Donc là, j'ai un peu de food, j'ai un peu de bouffe. Il va falloir aussi que je fasse une distillerie. Donc il faut des planques et des barils. Des barils. Alors les barils, ça va. Oh, ça doit être sûrement le wood carver qui fait des barils. Donc c'est lui. Allez. Allez-y, mes petits gnomes. Fabriquez-moi mon workshop. À partir de mes planches, qui bien sûr ne doit pas en avoir du tout assez. Mais bon, c'est... Priority 5, assign... On peut signer quelqu'un, on va signer Clem machin truc. Est-ce que je peux l'assigner ici aussi? Ah, il y a déjà quelqu'un qui y travaille. Donc ici, Pine Grove. Je ne peux y assigner personne, c'est bien dommage. Ouais, food ça descend un petit peu, mais là j'ai l'impression qu'il... Wild cotton plant. On va pouvoir leur faire des petits vêtements avec des petits bouts de coton et des trucs comme ça tout à l'heure. Enfin plus tard. Plutôt que tout à l'heure. Mine. Hop. Vas-y, mine. Il en restera toujours quelque chose. Alors là, le truc où ils ne peuvent pas dormir parce que forcément ils ont rien pour dormir. Apple tree. Agriculture, récolter. Ouais, j'ai pas franchement récolté. Hein. Agriculture. Ouais, non, on va laisser ça comme ça pour le moment. Alors ça a pas l'air de vouloir pousser. À moins que ça mette si longtemps que ça à pousser réellement. Oui, donc là c'est bon, je commence à avoir plein de trucs. Alors hop, mon étage. J'ai aucune idée de combien de temps mettre les arbres à pousser, mais apparemment longtemps, voire même genre très 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 longtemps. Alors là, je peux faire du terrain, ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi je voudrais faire des lits, mais je peux pas encore faire de lits parce que j'ai pas le workshop qu'il faut. Et pour ça il faudrait que je récolte des bouts de plantes. Donc hop, on va lui demander de retirer les boutures. Enfin, ça doit pas être franchement bouture, le terme exact et réel du truc. Et ils sont en train de... Ils vont crever de soif dans pas très longtemps. J'espère que je me suis pas trompé dans ce que je veux faire pour faire des barils. C'est bien ça, 21h, ils sont tous couchés, hein, ils se couchent tôt par ici, les gnomes. Le soleil se lève à 6h43. Et normalement, à 1h du mat, il devrait commencer à se bouger un petit peu, si c'est comme la dernière fois. On va bien voir. C'est plutôt sympa comme environnement et endroit. Voilà, lui, il a envie de boire. Minuit, j'ai soif. Du coup, je vais me boire une petite bière. Voilà, donc ils ont retiré les clippings. Et
ils se font planter et donc du coup maintenant on va les abattre un petit peu. Donc comme ça, ça va nous faire quelques bûches pour fabriquer des petites planchettes normalement. Et si celui qui est censé fabriquer les planchettes ici est pas endormi, il va pouvoir fabriquer les planchettes. Donc là il n'y a plus rien de Q en bloc et là il y a plein de planches qui sont mis. Anylog, ouais. Required carpentry one. Ok, donc il faut que je construise une carpentry. Sûrement. Est-ce que c'est par ici? Est-ce que c'est là? Training ground, machin. Non. Carpenter. Construire là. Et j'ai pas regardé ce qu'il fallait pour construire ma carpentry. J'aurais sûrement dû faire any plank, any blocks. Oui, mais any plank, si c'est lui qui fait les planks, je suis un petit peu coincé. Parce que là, on ne peut pas le faire. Alors, pourquoi lui, il veut une carpenterie pour faire mes planches? Mais j'ai pas de planches, donc du coup, c'est un peu une boucle tout ça, dis donc. S'il me faut un truc que je n'ai pas pour faire quelque chose. À moins que j'ai eu des... Ah, sauvegarde. À moins qu'ici j'ai eu pine barrel, non, apple tree, strawberry wine. Ah, pause. Bah, replay. Hein. Effectivement, je pense que je n'aurais pas dû construire le stone cutter qui a dû me coûter des planches et que j'aurais dû construire le sawmill puisque là je ne peux rien faire de mes logs. Ceci est presque un problème, dis donc. Je sens la fin du Hell Kingdom parce que ça n'a pas été fait dans le bon sens. Puisque là, normalement, s'il continue, on a un peu de bouffe, on a un peu de trucs à soif. Mais assez rapidement, on va plus rien avoir et ça, ils ne peuvent pas le construire parce que je n'ai pas de planche. Mais, je pense que ça va être le sujet du prochain épisode. Où là aujourd'hui on va se laisser ici sur la grande question de mais comment je vais faire pour construire ma carpentry. Et on verra si j'ai trouvé une solution ou sinon bien on se reverra sur une autre ville, sur une autre ville des gnomes pour découvrir comment est-ce qu'on fait pour commencer cette satanée truc. En essayant ce coup-ci de faire un peu plus attention et que ça fonctionne bien. Allez, salut à tous!